Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est un homme béni à qui Dieu a choisi de révéler le dernier des livres saints. Dieu l'a élu parmi les hommes pour que ces derniers prennent exemple sur lui, car sa moralité et sa foi étaient sans faille. La puissance de sa foi lui permit d'être à la hauteur de la responsabilité que Dieu lui avait confiée. Il appela les hommes à suivre le chemin de Dieu et à gagner ainsi leur salut. Grâce à son sens moral exemplaire, le prophète Mohammed était un guide pour tous les croyants. Sa noblesse de caractère et sa manière toujours adéquate de traiter les difficultés conservent aujourd'hui encore toute leur universalité et restent une lumière pour l'humanité. Le devoir du musulman est de s'approprier les qualités du prophète, de le prendre pour exemple et de le faire connaître dans le monde entier. De plus, en faisant tout leur possible pour lui ressembler, les musulmans ont également pour but d'obtenir une place près du prophète dans l'au-delà. Le prophète était d'une moralité exemplaire. Il invita les hommes à se conformer à cette éthique. Pour les aider, il leur donna une description des valeurs morales et des comportements qui plaisent à Dieu. Dans les premiers versets de la sourate Al-Kalam, Dieu évoque la supériorité des valeurs morales du prophète Mohammed. Nun, par la plume et par ce que les scribes mettent en ligne, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es point un possédé. En vérité, une récompense sans reproche t'est réservée et tu es doué d'un caractère élevé. Notre prophète conseillait également aux musulmans de mettre en pratique les valeurs morales que lui-même appliquait. On découvre dans le hadith suivant quelques-uns de ses conseils. Ne soyez pas envieux les uns des autres, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos, ne rompez pas vos liens d'amitié et soyez frères, ô esclaves de Dieu. Mon Seigneur m'a donné 9 commandements, de l'adorer en public et en privé, de parler avec justesse dans la prospérité et l'adversité, d'être modéré dans la pauvreté comme dans la richesse, de renouer les liens de parenté ou d'amitié avec ceux qui les ont rompus, de donner à celui qui me refuse, de pardonner à celui qui m'a blessé, que mon silence soit rempli de méditation pour parfaire ma connaissance de Dieu, que lorsque je prends la parole, j'évoque son nom, que lorsque je regarde les créatures de Dieu, ce soit comme un exemple pour eux. Tout au long de sa vie, le prophète Mohammed se conforma uniquement à ce qui lui était révélé par Dieu. Il n'agissait qu'en fonction de cette révélation, sans attendre d'approbation de quiconque et sans craindre les désapprobations. Cependant, à cette époque, les idolâtres cherchaient à le faire dévier de sa droiture afin de l'amener à transmettre un message favorable à leurs intérêts. Malgré leur puissance et leur nombre, le prophète s'opposa à eux avec détermination, restant fidèle au Coran
et aux commandements divins. Dans un verset, Dieu nous révèle la réponse que fit le prophète aux pressions de ces injustes. Lorsque nos versets sont récités, comme preuves évidentes à ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, ils te disent « Apporte-nous un autre Coran que celui-ci, ou change-en la teneur. » Réponds-leur « Il ne m'appartient pas de le changer de ma propre initiative. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. En vérité, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un grand jour. » Le prophète ne fit aucune concession. Il transmit le Coran à l'humanité sans changer un mot de ce que Dieu lui révéla, ne tenant aucun compte des intérêts personnels des uns ou des autres. Il agissait ainsi car il craignait Dieu plus que tout. Les premiers versets de la sourate Al-Najm soulignent cette qualité du prophète qui fut envoyé en miséricorde pour l'univers. En vérité, votre compatriote n'est ni un égaré ni un illuminé, et il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est en fait qu'une révélation inspirée que lui a enseigné un être, l'ange Gabriel, d'une force prodigieuse. En accomplissant son devoir de transmission du message, le prophète Mohammed se heurta à de nombreux obstacles mis en travers de son chemin par les idolâtres. Ils avaient des comportements agressifs et cherchaient à piéger le prophète. À la fin, ils allèrent encore plus loin en le bannissant et en cherchant à l'emprisonner et même à le tuer. Pourtant, peu importait ce qui lui arrivait, notre prophète restait toujours patient, résigné et soumis à Dieu. Il continuait à prêcher la parole de Dieu avec détermination, car il savait qu'il y avait du bon dans tout ce que Dieu créait, même dans la pire des difficultés. Les paroles qu'il eut alors qu'il s'était réfugié dans la grotte avec Abu Bakr, lorsqu'il tentait de rejoindre Médine après avoir quitté la Mecque, illustrent parfaitement la grandeur de la confiance que le prophète plaçait en Dieu. Ces paroles nous sont rapportées ainsi dans le Coran. Si vous ne voulez pas prêter assistance au prophète, Dieu lui a déjà prêté la sienne lorsque, chassé par les négateurs et se trouvant dans la grotte avec son seul compagnon, il disait à celui-ci « Ne t'afflige pas, Dieu est avec nous ». Dieu étendit alors sur lui sa sérénité, envoya à son secours des troupes invisibles, faisant ainsi échec aux négateurs et assurant le triomphe de la parole divine, car Dieu est puissant et sage. Les paroles et les actes du prophète sont, pour les croyants, les meilleurs exemples à suivre. En effet, le fait de toujours interpréter les événements d'une manière positive est une qualité importante qui découle d'une foi sincère en Dieu et d'un mode de vie imposé par cette même foi. Le croyant doit faire face à tout ce qui lui arrive avec une grande sérénité, car il sait que tout événement a une cause. Tout d'abord, il doit faire tout ce qu'il peut pour résoudre son problème. Puis il doit placer sa confiance en Dieu, accepter ce qui se passera et essayer d'en voir le côté positif. Dans un hadith, notre prophète décrit la récompense que peut espérer celui qui place sa confiance en Dieu. Si vous vous en remettez à Dieu, comme il convient de s'en remettre à lui, il vous apportera votre subsistance, comme il l'apporte aux oiseaux
qui quittent le matin leur nid, le ventre creux, pour y rentrer le soir, le ventre plein. Le prophète était entouré de toutes sortes de gens. Chacun d'eux avait un caractère et des idées qui lui étaient propres. Cependant, tout au long de sa vie, le prophète montra un intérêt pour chacun d'eux. Il les aida à prendre conscience de leurs erreurs et de leurs échecs. Il essaya de leur apporter une éducation dans des domaines très variés, allant de la propreté à des sujets religieux. C'est cette attitude compatissante, tolérante, compréhensive et pleine de patience du prophète qui amena un grand nombre de personnes à se rapprocher de l'islam et qui fit naître en eux un amour véritable pour le prophète. Dans le Coran, Dieu décrit en ces termes cette attitude si agréable que le prophète adoptait avec ceux qui l'entouraient. C'est par un effet de la grâce de Dieu que tu es si conciliant envers les hommes, car si tu te montrais brutal ou inhumain avec eux, ils se seraient tous détachés de toi. Sois donc bienveillant à leur égard. Implore le pardon de Dieu en leur faveur. Le prophète ne fit jamais subir de pression ni n'imposa des conditions à ceux qui l'entouraient dans le but de faire accepter l'islam. Il leur expliquait simplement l'islam de la plus plaisante des manières. L'imam Ghazali, grand savant musulman, résume l'attitude du prophète à l'égard de son entourage en utilisant le hadith suivant. Chacun pensait qu'il était celui que le prophète honorait le plus. Chaque personne qui venait le voir pouvait le rencontrer. Il avait l'habitude d'appeler ses compagnons par leur surnom en signe d'honneur et de donner des surnoms à ceux qui n'en avaient pas. Il était très affectueux et très gentil lorsqu'il traitait les gens. Ô vous qui croyez, observez la stricte vérité quand vous témoignez devant Dieu, fût-ce contre vous-même, vos parents ou vos proches. Que ce témoignage concerne un riche ou un pauvre, Dieu porte plus d'intérêt à l'un et à l'autre que vous-même. Ne vous fiez pas à vos impulsions au détriment de l'équité. Le prophète Mohammed vivait en un lieu où se côtoyaient des gens très différents les uns des autres par leur religion, leur langue, leur race ou encore leur tribu. Cette cohabitation de différentes ethnies faisait qu'il était difficile d'y vivre en paix et en sécurité. Cependant, la justice du prophète apporta la paix et la sécurité pour toutes les communautés vivant dans la péninsule arabique, pour les musulmans aussi bien que pour les autres. À l'époque du prophète, chrétiens, juifs et païens étaient tous traités de manière équitable. Le prophète expliquait à tout le monde la vraie religion, mais il laissait chacun libre de ses choix. En effet, le commandement divin à ce sujet est clair et sans appel. Pas de contraintes en religion. Dans un autre verset, Dieu dit: rappelle-leur tout cela, car ton rôle se limite à leur rappeler et tu n'as sur eux aucune autorité. La constitution de Médine, qui fut signée par les musulmans originaires de la Mecque, les musulmans de Médine et les juifs de Médine, nous donne un nouvel exemple de la justice de l'époque.
Le but de ce traité était d'assurer la justice entre les communautés de différentes croyances afin d'établir un ordre commun. Un des aspects les plus remarquables de ce traité est le fait qu'il établisse la liberté de croyance. On peut lire dans un de ses articles: les Juifs de Banyaf constituent une communauté vivant avec les croyants, aux Juifs leur religion et aux musulmans la leur. De nos jours, la seule solution pour arrêter les guerres et les conflits qui ont lieu partout dans le monde serait d'adopter les valeurs morales prônées par le Coran et, tout comme le prophète, de ne jamais dévier du chemin de la justice en ne faisant aucune discrimination entre les différentes religions, langues ou races. Car c'est le seul moyen pour que l'humanité pérennise la paix, la sécurité et le bonheur dont elle a besoin. Ainsi, la paix, la sécurité et la justice pourront prévaloir à travers le monde, tout comme cela était le cas à l'époque du prophète. Notre prophète était le protecteur et l'administrateur des croyants. Ainsi, les musulmans s'en référaient à lui pour toute chose et lui demandaient sa permission et son opinion avant de s'engager dans quoi que ce soit. Quand ils n'étaient pas d'accord entre eux, ou lorsqu'ils n'étaient pas capables de trouver une solution à un problème, ils en faisaient immédiatement part au prophète, car de cette manière, ils étaient sûrs d'obtenir la solution la plus adaptée et la plus fiable. En effet, il savait que le prophète était l'homme le plus intelligent de la communauté. Ses commandements et ses jugements étaient sous la protection de Dieu. De ce fait, ses décisions étaient toujours les plus pertinentes. Notre prophète Mohammed fut choisi parmi les hommes. Il est donc un modèle pour nous-mêmes, à notre époque, et sa sunna est un précieux guide pour l'humanité. C'est pourquoi obéir au prophète, c'est avancer sur le chemin qui conduit au salut dans ce monde et dans l'au-delà. Il est révélé dans le Coran que ceux qui obéissent au prophète obéissent à Dieu. Cependant, c'est également valable dans l'autre sens. Ceux qui se rebellent contre lui se rebellent contre Dieu. Celui qui obéit au prophète obéit en fait à Dieu. Quant à ceux qui se détournent de toi, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. Le prophète était une personne compatissante, emplie d'amour et de compréhension pour autrui. Il s'intéressait aussi bien aux problèmes matériels que spirituels de ses amis, de sa famille et de tous ceux qui l'entouraient. Il prenait les mesures nécessaires pour s'assurer de leur santé, de leur sécurité et de leur bonheur. Ceci lui était ordonné par Dieu et fut révélé en ces termes dans le Coran. Et abaisse ton aile, sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. Les croyants ayant appris du prophète et étant sincèrement dévoués à l'islam, suivaient son exemple et s'appliquaient à toujours prendre soin des prisonniers, des pauvres et des orphelins. Les qualités morales de ces croyants sont révélées ainsi dans les versets suivants.
Mais également, ces bienheureux nourrissaient l'indigent, l'orphelin et le captif, malgré leur propre dénuement, en disant « Nous vous nourrissons uniquement pour l'amour de Dieu, sans attendre de vous ni récompense ni remerciement. En vérité, nous redoutons surtout de la part de notre Seigneur un jour chargé d'angoisse et de malheur. » Il existe également un hadith où notre prophète ordonne aux croyants d'être miséricordieux. Ceux qui sont miséricordieux recevront la miséricorde du tout miséricordieux. Soyez miséricordieux avec ceux qui sont sur terre, celui qui est aux cieux sera miséricordieux avec vous. Étant à la fois messager de Dieu et chef d'État, le prophète était en contact constant avec des gens de toutes conditions sociales. Il rencontrait aussi bien les riches chefs d'État ou de tribus que des femmes et orphelins pauvres et sans défense. Parmi ces personnes, il en était dont le niveau de culture et d'éducation était très bas. Elles ne connaissaient ni la courtoisie ni les bonnes manières. Néanmoins, le prophète faisait toujours preuve de douceur lorsqu'il voulait leur faire prendre conscience de leur grossièreté. Il les instruisait avec beaucoup de patience et d'effort. Le prophète était au-dessus de tout reproche. Il était doux, aimable et compréhensif. Durant toute sa vie, il appliqua les règles de courtoisie et de politesse de la meilleure des manières. Aïcha décrivit la haute moralité du prophète en ces termes. Le caractère du prophète était le Coran. Ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi. Ces versets du Coran mettent clairement en évidence l'importance d'être propre et soigné pour les croyants. La propreté du corps, des vêtements, de la maison et de la nourriture est tout aussi importante que celle du cœur et des valeurs morales. Les cheveux, le visage, le corps et les vêtements du musulman doivent toujours être impeccables, propres et sentir bon, tout comme doivent l'être les lieux où il habite et où il travaille. On constate que notre prophète excellait également dans ce domaine. Voici un hadith dans lequel le prophète recommande aux croyants d'être propres. Certainement, l'islam est pur. Soyez donc purs. Le prophète Mohammed est le dernier prophète ayant pour mission d'avertir l'humanité. Comme tous les messagers, le prophète appela les gens à revenir sur le droit chemin, à croire en Dieu, à vivre dans le but de gagner leur place au paradis et à se conformer à la bonne moralité. À l'époque du prophète, beaucoup de gens vivaient en suivant des règles très éloignées du droit chemin, pensant trouver ainsi le salut. Leur mode de vie était entaché de perversion, de superstition et de non-sens. Notre prophète les fit sortir de l'ignorance et de l'insouciance dans lesquelles ils vivaient en les invitant à suivre le chemin de Dieu.
il fit beaucoup d'efforts en vue d'obtenir leur salut ici-bas et dans l'au-delà. Lorsqu'il transmettait le message du Coran, notre prophète était souvent confronté à une forte oppression et à une grande animosité. Cependant, il n'en tenait aucun compte. Notre prophète tirait sa force de son amour pour Dieu et savait que notre Seigneur était toujours avec lui. Dans la sourate Al-Hijr, Dieu s'adresse à lui en ces termes. Proclame donc hautement les ordres que tu as reçus et détourne-toi des idolâtres. En vérité, nous nous chargeons des persifleurs. Le prophète Mohammed commença par parler aux gens de la puissance de Dieu et leur montra les merveilles de sa création. Il leur expliqua ensuite que Dieu n'avait pas d'égal et qu'il était le seul et unique Dieu. Dis-leur, que diriez-vous si Dieu vous avait plongé dans une nuit sans fin jusqu'au jour du jugement dernier? Quelle divinité autre que Dieu aurait pu vous redonner la lumière? Quand pourrez-vous le comprendre? Dis-leur, et que diriez-vous si Dieu avait étendu sur vous un jour sans fin jusqu'au jugement dernier? Quelle divinité autre que Dieu aurait pu vous ramener la nuit pour votre repos? Ne le voyez-vous donc pas? Le prophète nous mit en garde contre le fait d'attribuer des associés à Dieu, ce qui est appelé shirk, car c'est un péché majeur en islam. Dieu est le seul et l'unique, et toute autre entité n'est qu'une partie de ce qu'il a créé. Le prophète tenta d'en faire prendre conscience aux gens et de les libérer ainsi de l'idolâtrie. Ceci est confirmé par le verset suivant. Dis-leur, je n'invoque que mon Seigneur sans rien lui associer. Dans le hadith qui suit, le prophète mit en garde tous les musulmans contre l'idolâtrie et annonça que le fait d'attribuer des associés à Dieu est un péché très grave. Le plus grave des péchés est d'attribuer à Dieu des associés alors que c'est lui qui vous a créé. À l'époque du prophète, et même après, il y avait des gens qui ne voulaient pas croire que le Coran était un livre divin. Parmi eux, certains allèrent jusqu'à proclamer que c'était le prophète lui-même qui l'avait écrit. Cependant, c'était une grave erreur et une calomnie manifeste. Le Coran est la parole de Dieu. On peut y découvrir de nombreux miracles et une sagesse supérieure tel qu'il n'aurait pu être conçu par aucun être humain. Le prophète mit ce fait en évidence et affirma que le Coran était révélé par Dieu. Ceci est également mentionné dans le Coran. Réponds-leur, ce Coran est révélé par celui qui détient les mystères des cieux et de la terre et qui est clément et miséricordieux. Ceux qui avançaient que le Coran était écrit par un être humain n'avaient pas conscience des miracles qu'il contient, ni du fait que sa sagesse et sa perfection ne peuvent provenir que de Dieu. Le prophète fut chargé de souligner cette vérité. Dis-leur, si les hommes et les djinns se concertaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient y parvenir, même s'ils se prêtaient mutuellement assistance.
Ce que dit notre prophète dans le hadith qui suit est une preuve de plus que le Coran est la parole de Dieu. L'honnêteté descendit des cieux et prit racine dans le cœur des hommes, des fidèles croyants. Puis le Coran fut révélé et lu par les gens qui en tirèrent des enseignements, et ils tirèrent également des enseignements de la Sunna. La Sunna et le Coran renforcèrent leur honnêteté. Notre prophète donna un autre conseil très important. Le Coran est le meilleur des guides qui mène au salut. Ce conseil est de nouveau mis en évidence dans le hadith suivant. Acquérez la science et transmettez-la. Apprenez le Coran et enseignez-le, car je suis de ceux qui quitteront ce monde. La mort est une des choses les plus redoutées par l'homme. Les personnes qui ont peur de la mort pensent en fait que c'est une fin en soi, la fin de tout. Elles ne sont pas conscientes de l'existence de la vie dans l'au-delà. Ainsi, elles sont très attachées à la vie d'ici-bas et elles sont persuadées qu'elles perdront tout à leur mort. C'est pourquoi elles refusent d'y penser. Cependant, c'est indéniable, la mort viendra pour chacun à l'heure et de la manière que Dieu aura choisi. Personne ne pourra retarder ni avancer le moment de sa mort. Le prophète recommanda aux croyants de réfléchir à la mort et à la manière de bien mener sa vie. Ceux qui seront les plus conscients de la mort et les plus préparés pour cette mort, ce sont eux les plus sages parmi les hommes. Le prophète Mohammed appela également les gens du livre à croire en la dernière religion révélée. Cependant, il ne les persécuta pas pour autant, mais leur conseilla simplement cette adhésion. Il laissa les gens du livre libres de pratiquer leur religion comme il leur convenait. Il leur permit de garder leurs coutumes et ordonna aux siens de les traiter avec justice. À ce sujet, il dit: quiconque opprimera un dhimmi, non musulman, je serai son accusateur au jour du jugement. Autre exemple frappant, les articles qui suivent sont extraits du texte d'accord, rédigé par le prophète et les siens, à l'attention du chrétien Ibn Haris bin Kab et de ses co-religionnaires. Ces articles montrent une fois de plus le respect qu'avaient les musulmans pour les gens du livre. La religion, les églises, les vies, la pudeur et les biens de tous les chrétiens vivant à l'Est sont sous la protection de Dieu et de tous les croyants. Aucun chrétien ne sera forcé de se convertir à l'islam. Si un chrétien est victime d'un meurtre ou d'une injustice, les musulmans devront l'aider. Bien que le prophète eût en charge une lourde responsabilité et qu'il eût à faire face à de nombreuses difficultés, c'était un homme des plus humbles et des plus paisibles, soumis à Dieu. À chaque instant de sa vie, il jouissait de la joie et de la ferveur d'une foi intense. Ses compagnons décrivirent sa façon d'être en ces termes. Il, le messager, était toujours joyeux, gentil et doux.
Le prophète conseillait également à ses compagnons de sourire. Il rappela à ce sujet. Dieu aime les gens simples et ceux qui sont souriants. À l'époque où le prophète Mohammed reçut la révélation, il y avait en Arabie une coutume atroce. Certaines familles tuaient les filles à leur naissance car elles les considéraient comme une source de honte. L'intérêt et l'amour du prophète à l'égard des enfants mirent rapidement fin à cette pratique barbare. Il demanda à ce qu'aucune différence ne soit faite entre les enfants garçons et filles. Il avertit les gens que le fait de tuer leur fille était un très grave péché et un acte cruel. En montrant autant d'intérêt et d'amour pour les filles que pour les garçons, le prophète était un exemple parfait pour toute la communauté. Voici un exemple de ce que disait le prophète au sujet des filles. Une fille est un enfant adorable, affectueuse, toujours prête à rendre service, douce et emplie du sentiment sacré de maternité. Notre prophète demanda également aux croyants d'être justes avec leurs enfants et dit: craignez Dieu et traitez vos enfants de manière équitable. Grâce à ses qualités supérieures, le prophète Mohammed apporta la paix et la sécurité sur tous les territoires musulmans. Les principes qu'il prônait et qu'il appliquait au quotidien font de lui un exemple pour toute l'humanité. Toutes ces caractéristiques transmises par le prophète, ainsi que le fait d'accepter le destin quel qu'il soit, pourraient être qualifiées de valeurs universelles, valeurs applicables de tout temps. De nombreux problèmes actuels pourraient être résolus à la lumière de la sunna de notre prophète et des valeurs morales véhiculées par l'islam. Le devoir de tout musulman est de suivre l'exemple du prophète, d'essayer de s'approprier ses qualités et de les faire connaître à toute l'humanité. Dans le Coran, Dieu s'adresse aux hommes en ces termes. Ô hommes, le prophète vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Croyez-y dans votre propre intérêt. Mais si vous refusez d'y croire, cela importe peu au Seigneur. N'est-il pas le maître des cieux et de la terre, l'omniscient, le sage ?